أصحاب النار إلى ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب تاي خاي ناج واتي كامل pour suñu mbokk julit Mohamedou Fallou Sen mi ñu ray daw ci heure bi feulé sa nar ci université UGB di ko ñaanal yalla nako yalla xaré aljana te yeureum ko yeureum bép mbokk julit mi ko jitu tamit di rappeler ben une chose que justice n'est pas encore fait donc jusqu'à présent ñun en tant que étudiant en tant que frère en tant que julit ñi ngi ñaan à ce que lumière soit faite sur cette affaire que justice soit faite parce que kumpele ko ñu que ñun ñëpp fiñ nek xif mi ngi ñuy ray insécurité mi ngi ñuy ray maintenant buñu génné di kaas ñu ray ñu lolou mënuñ ci dëkk ñi ngi lancer un appel ci président de la république monsieur Macky Sall que ñu def justice ci affaire Fallou Sen bi que ki ray Fallou Sen ñu condamné ko ñu tejj ko bu ëllëgé kenn du ñëwé ray étudiant ak qui que soit parce que li c'est pas la première fois defon nañ ko fi Bassirou Fay defon nañ fi keneen ak keneen ba légui justice amul ci yoy yëpp ba Fallou Sen bi mujj justice amul té ñi ngi ñaan la population sénégalaise ñu ñaxtu que justice soit faite pour Mohamedou Fallou Sen. كلا والخمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إذ ناهد إنها لحد الكبر نظير للبصر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. Aujourd'hui, la conférence des présidents d'amicale de l'université de Thiès s'est réunie avec l'ensemble des étudiants de l'université pour organiser un récital de Coran dédié à nos illustres morts. Il s'agit ici en l'occurrence du regretté Mohamedou Fallou Sen, mort à l'UGB des suites d'une émeute parce qu'il avait faim et parce qu'il voulait manger, qui a été tué, froidement assassiné. Et au jour d'aujourd'hui, nous réclamons toujours la condamnation de son meurtrier. Et le jour d'aujourd'hui nous rappelle également qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri. Nous pouvons tous, un jour ou l'autre, nous pouvons tous un jour ou l'autre mourir. Nous pouvons tous un jour ou l'autre être froidement tués par un gendarme ou par un policier. Et cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Et je crois que dans une démocratie telle que celle du Sénégal, vieille de plus de 50 ans, de telles choses ne doivent plus continuer et ne doivent plus se répéter. Nous lançons donc un appel au chef de l'État et à la justice sénégalaise. Nous leur demandons de traduire en justice les meurtriers de Fallou Sen. Nous réclamons la justice. Nous ne voulions même pas revenir sur les faits, parce que les faits sont déjà connus. Mais je tiens juste à rappeler à la communauté sénégalaise la tristesse et l'émoi que la mort de Fallou Sen avait suscité parmi nous. Et se rappelant de tout ça, je crois que ce doit être un devoir pour les autorités sénégalaises de réagir et d'éclaircir les Sénégalais et les étudiants sénégalais par rapport à la mort de Fallou Sen. كلا والخمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إذ إنها لحد الكبر نظير للبصر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجيب ما سلفكم في السماء